Shonan ou Jojo, si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Bleach Brave Souls, oui encore, et nous sommes pas sur mon compte, on est sur le compte de Hikaru, mon modérateur et abonné de très longue date, et du coup on va invoquer des tickets accessoires, enfin des accessoires pour lui. À la base on voulait mettre en vidéo tous les tickets, même les argentés, mais en fait il avait plus de 500 tickets. Et c'est vrai que le taux de drop est vraiment très faible, donc c'était pas très intéressant. Du coup, j'ai décidé de couper ça. On a eu quand même 2 4 étoiles avec les tickets argent. Donc le taux de drop, je sais pas de combien il est, mais il est vraiment très, 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 très faible. Donc bon, voilà, on vous tient au courant. Donc du coup, on va invoquer les tickets gold. Donc évidemment, plus intéressant. Et aussi, on a 5 tickets, 4 ou 5 étoiles garanties. Alors, je connais pas les taux de drop, mais bon, j'espère qu'on va avoir du lourd. Au niveau des accessoires, il nous faut des Papyrus, des Yuki, des... Attends, je vais y arriver. Des Chappie, des Appa de Holo, des machins comme ça, des trucs, enfin des accessoires utiles. Parce qu'il y a forcément des accessoires moins utiles, donc on veut du lourd. Donc j'espère qu'on va avoir du lourd. Donc let's go, c'est parti les gars. Donc si vous voulez envoyer votre luck, hein, c'est maintenant. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu, apparemment ça attire la chance. Donc let's go. Donc on veut du 4 étoiles si possible. Eh ben non, ce sera pas du 4 étoiles. Donc en fait, par rapport à l'animation, en fait, quand il y a la machine qui vient, quand ça remplit 2, enfin, ça fait 1, 2, 3, plus de chance en single. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais bon, on va faire ça après. Si ça s'arrête à 2, enfin, les 3 qui sont devant, si ça s'arrête à 2, en fait, ça sera 3 étoiles, il n'y aura pas plus. Donc voilà, le suspense est vite, c'est vite réglé. Par contre, si ça allume le troisième, ce sera au moins 4 étoiles. Et j'ai jamais vu l'animation de 5 étoiles, en fait. Donc, je sais pas trop ce que ça fait. Donc, on va voir. Donc, tu veux que je fasse des singles? Bah, c'est vrai que j'ai plus de chance en single. Hein. Vous le savez très bien, hein, ceux qui sont changés. Après, ça va peut-être être un peu long. Je sais pas. Non. Ouais, quoique, ça va. Hein. Ça va. Parce que du coup, voilà, y a beaucoup moins de tickets, là, forcément. Donc, ouais, non, mais c'est bien. Bah, si, j'ai vu. Oh là là, 4 étoiles, envoie du lourd s'il te plaît. Ah, ça c'est très bien, très très bien. Puis le fortifiant, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un très bon item, c'est un nouvel item qui est très très bien, qui nous fait perdre un peu de PV, mais c'est pas gênant parce que souvent on en a beaucoup. Et on gagne pression spi et concentration, donc ceux qui connaissent le jeu évidemment, c'est très intéressant. Ça c'est bien. D'accord, Uchiwa, il y a un petit effet en plus, très bien. Donc ça c'est bien, vous voyez la single elle nous régale. Est-ce qu'on va continuer là-dessus? Non. Ah, bon, un petit Ogyoku. On prend. Hein. C'est toujours intéressant. Mais bon. Si on pouvait dropper du 4 étoiles encore, ce serait bien. Ok, bon, pas de bonheur d'Ishin, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir invoquer pour Hikaru. Parce qu'en fait, sur Bleach Brave Souls, en fait, c'est très, très, très facile de partir sur le compte d'un abonné. Enfin bref, de quelqu'un d'autre. Il suffit juste de connecter son compte et c'est tout. En fait, il n'y a aucun retéléchargement de données. C'est direct, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est ultra pratique, franchement, c'est ouf. Franchement, Kelab, vous gérez, les gars. Du coup, là, vous voyez, c'est super simple à faire. Donc, franchement, ça fait plaisir. C'est cool. Franchement, c'est pratique. Sur Dokkan Battle, ça peut être tout simple. Bon, après, sur Dokkan, de toute façon, ils veulent pas qu'on échange les comptes. C'est le ban. Enfin, peut-être. Allez, 4 étoiles, non. Ah, oui, capitaine, c'est pas mal. C'est sympa. Oui, d'accord, oui, en PV, oui. Après, j'avoue que je suis, même si je connais bien le jeu, en gros, j'avoue que au niveau des détails, je suis pas un professionnel du jeu. Hein. Donc, c'est possible que des fois, je dis des trucs approximatifs dans le sens où, ouais, j'ai dit que la pilule, c'est bien. Oui, c'est bien en PVE, en PVP, c'est pas ouf. Très bien. Mais vous m'avez compris. Ok. Le dernier ticket. Est-ce qu'on peut avoir un 4 étoiles pour finir cette session? Ce serait bien. Ce serait pas mal. Eh ben non. Bon, bah tant pis. Bandeau de la justice. Bon, ça, c'est pas forcément ouf. Ouais, il y a du PVP. Enfin, après, c'est du PVP. C'est l'ordinateur qui joue. Hein, mais c'est une team réelle. Enfin, de quelqu'un. Mais c'est pas toi qui joue. Enfin, c'est automatique, quoi. Donc c'est pas du PVP, c'est du PVP asynchrone. Bon, les 4 étoiles, ils sont perdus, là. Bon, après, c'est des tickets 3 étoiles, 4 étoiles. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais si on pouvait dropper... ouais, ce serait bien d'avoir du 4 étoiles, quoi. On en a eu... Attends, on en a eu combien? On a eu 2 ou 1 avant, là. Je sais plus. Bon, c'est pas grave.
toujours pas. J'aimerais bien connaître les taux de drop. Je pense qu'ils sont quand même assez, assez faibles, hein, clairement. Mais en même temps, c'est étiquette totalement gratuite. Hein, donc, faut pas trop se plaindre. C'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, voilà quoi. Bon, allez, 4 étoiles. Mais non. En plus, ça, on s'en fiche quoi. Vas-y, balance une 4 étoiles. Une petite pilule fortifiante aussi, là. Ou un truc comme ça, là. 4 étoiles. 3. Ok, dernier ticket rouge les gars, après on passe à la suite. Moi je te dis go multi. Bah je sais pas, c'est KO qui voit après, en règle générale j'ai plus de chance en single. Bon là j'avoue sur les tickets rouges, c'était pas ouf hein. C'était pas ouf. Bon je la sens bien, la multi là sur le vert je la sens bien. Sur le vert là, petite multi. Allez. Balance au moins 4 étoiles. Ah! Vas-y, balance! Non, mais non! Ce troll. Mais non! Non, mais en fait, les bouquins d'XP, c'est pas ouf. Franchement, la flemme, quoi, de changer. C'est pour faire plus XP les personnages. C'est pas worth it, quoi. Ah oui, évidemment, c'est gratuit, mais quand t'as rien en 1500 tickets, j'avoue, c'est un peu moche. On est bien d'accord. Mais bon. C'est un dommage. Bon, on a eu un 4 étoiles, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas ça qu'on veut. Loterie x8. Vas-y. Vas-y, go, loterie x8. Après, je pense qu'on va faire des singles. Bon, allez, là. Allez. Fais-moi plaisir. Non, mais non. Bon, ça, c'est bien. Bon, donne-moi des... Ouais, ben non, c'est forcément... Par contre, là, niveau fusion, tu vas être refait, hein, parce que là, avec tous les 3 étoiles, au moins... Des fusions, tu vois, ah, deux, oui, tu vas pouvoir en faire. Par contre, on va être limite. On va être déjà limite. Niveau place. Bon, go faire les 7. Après, il va falloir que j'aille faire un petit peu de place vite fait. Allez. Oh là là, t'es sérieux. Ton drop, il doit vraiment pas être ouf, hein, quand même. Bon, ah, un petit Auric de capitaine. Bon, il va falloir que j'aille faire de la place vite fait. Parce que là, c'est un peu la PLS. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de place en fait. Mais je crois que ça. Ah non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Bon, du coup, le cas où je me permets de. Putain. D'augmenter une fois ta box. Parce que du coup, sinon, ça passe pas. Ça va en fait, dans ce jeu-là, voilà, tu 20. Slot d'accessoires pour 5 orbes. 5 orbes en fait, c'est une DS divisée par 5. Genre, c'est 0,2 DS. Donc, c'est. Alors que en Dokkan Battle, c'est. Je sais plus c'est combien d'emplacements. 5, je crois. Pour une DS. C'est chaud. Hein. Enfin, bref. Bon, allez, on termine. Là, on a des tickets 4, 5 étoiles. Donc là, on veut du 5 étoiles. Clairement, on veut du 5 étoiles, les gars. Je ne connais pas le taux de drop, mais je veux du 5 étoiles. Allez. Je sais pas. Faites l'animation. Putain. Mais casse-toi, le bandeau de la justice, là, c'est bon. Tu sers à rien, wesh. Bah, tu serviras à être sacrifié pour redéclencher, quoi. Non, c'est... Ah oui, sinon, pardon. Ouais. Hein, attends. Ah si, c'est ça. Attends, je dis conneries, en fait. Ah si, non, en fait, non, mais en fait... attends. Ah non, j'ai raison. Ah non, vous avez raison. Oh là, j'étais bugué. Non, pardon. C'est 5 orbes égale une DS. Mais tu as 20 emplacements. Voilà. Non, je me suis complètement planté. Excusez-moi. C'est la même chose, sauf que tu as plus d'emplacements. Enfin, tu gagnes plus d'emplacements que dans Dokkan. Quoi. Je me suis planté. Mais après, dans ce jeu-là, tu récupères tellement plus d'orbes que... Bon, bon allez. Animation spéciale, s'il te plaît. Ah, bon, ça, c'est bien, mais... Non, tout à l'heure, c'était... Non, c'est un vert tout à l'heure qu'on a eu, je crois. Bon, un appât de holo bleu, ça c'est bien. Mais on, voilà, bah on veut l'arc-en-ciel. Un petit arc-en-ciel là, s'il vous plaît. Allez, go. Allez. Bon, en fait, c'est bizarre parce que. Ah, bon, ça c'est bien. Un petit appât de holo violet, on prend. Pilule fortifiante, sinon. Enfin, après, des Chappies et compagnie.
Allez, arc-en-ciel. Oh! Ah non, j'ai cru. Non. Non, je crois que j'ai rêvé en fait. Ah, un petit chapi vert. Je sais pas si t'en avais un déjà. Bon, bah les gars, dernier ticket, hein, c'est le moment d'envoyer la lock. Hein. Envoyez la lock, les gars. Les pouces bleus pour la lock. Si on peut voir au moins un 5 étoiles. Je pense que l'autodrome bon, doit vraiment être assez faible hein, quand même. Allez, allez, allez. Non. Enfin, je vois pas trop la différence, donc je pense que c'est un 4 étoiles. Oh non. Putain, ce troll. Ce troll pour finir. Non, bah c'est bon, on a fini. Putain, ce troll de l'espace. Bon, on n'a pas eu... Enfin, en même temps, hein, c'est pas chance ou pas chance, c'est juste que le taux de drop est vraiment très très faible, c'est des tickets gratuits, hein, faut pas déconner. Après, là, les appâts de holo, c'était sympa, c'était plutôt pas mal, c'est toujours utile. Mais bon, dommage qu'on ait peu un 5 étoiles, quoi. C'est dommage, juste pour le plaisir, quoi. En 10 tickets, 4-5 étoiles, j'ai eu 0-5 étoiles. Ouais, voilà, donc c'est... Et là, par contre, ouais, pour XP tous les 3 étoiles, là, pour faire des fusions, ça va être long. Hein. Donc, on a eu quand même quelques appâts de holo. On a eu le bleu, le violet, on a eu un vert, on avait déjà deux. On a eu un chapi vert, on avait pas. Donc, c'est pas dégueu. On a eu aussi, ah oui, la pilule fortifiante qui est très intéressante. Donc, voilà. Les orbes, maintenant. Pourquoi les orbes? Donc, voilà, bon, les gars, pour cette VOD, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. Puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, puis abonnez-vous. Hein. C'est pas encore fait. Bon, je rappelle que la chaîne est dédié à Dokkan Battle en priorité, après One Piece, mais aussi Bleach Brave Souls plus récemment. Enfin, je pense que je vais en proposer de plus en plus du contenu parce que j'adore le jeu. Donc voilà, donc ça me fait plaisir. Donc sur ce, les gars, bah, passez une bonne journée, à très bientôt. Salut à tous.